Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du V à travers le monde. Ici votre Chief Patman Sina Bienvenue dans le message de mercredi de la semaine 2. Les gars, c'est magnifique et c'est fantastique parce qu'actuellement, je n'ai pas encore dormi. Ça fait déjà plus d'une journée parce que je suis en train actuellement de répondre à tous vos différents engagements que vous m'avez envoyés. Et en même temps, je vous ai dit que cette année, je vais être votre coach B vous envoyer des messages WhatsApp à ceux que j'envoie déjà des messages WhatsApp. Et voilà, tout le monde actuellement est en train de m'appeler. Je viens d'échanger tout à l'heure avec Dato Sri J'ai échangé aussi avec Kuna, j'ai échangé aussi avec certains vieux partenaires. Et vous savez, nous sommes en train de préparer actuellement le ICE. Et il y a plusieurs de vos leaders, tout plusieurs de vos grands leaders qui vont venir nous retrouver à cette grande formation du ICE. Avec Dato Sri et et Jaapalabissa qui seront nos, nos, les, grands, les grands orateurs de cette grande formation. Ils seront là en train de nous montrer la vision de 2023 et en même temps nous donner des conseils et en même temps nous expliquer où ils vont avec nous en 2023. Actuellement, tout, tout est vraiment non-stop actuellement pour moi. Il y a Dia qui vient de voyager. Il y a Aoun, Sati, Joel qui vient aussi de déménager. Et puis après ça, il y a tellement de voyages qui sont en train d'être planifiés actuellement. Moi, après moi, je vais à Dubaï. Après Koualambo, je vais à Dubaï. Après Dubaï, je vais encore à SB. Les gars, c'est crazy, 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 les gars. Allez, nous, maintenant au message. OK, aujourd'hui, je vais revenir sur le basique. Parce que le basique, pour moi, c'est la seule chose que quelqu'un peut prendre pour construire un bon réseau. Mais avant d'aller tout droit au basique, j'aimerais d'abord vous revenir sur une chose fondamentale que chaque jour je sais de vous dire. Donc tais-toi, écoute et puis fais. Je le dis avec vraiment amour, sans vraiment être arrogant. Pourquoi selon vous nous sommes obligés d'avoir une liste de noms toutes les personnes que vous allez rencontrer dans le marketing des réseaux aujourd'hui, toutes les personnes aujourd'hui qui sont vos grands leaders, sont, ont été sur une liste de quelqu'un. Moi aussi, j'ai été sur la liste de des Datoscrividier. Parce que j'ai été, été, je suis fier de le dire et je suis le seul aujourd'hui qui peut le dire. Voilà, j'ai été le référé direct de Datoscrividier. C'est grâce à lui que j'ai intégré euh, cette ma magnifique entreprise. Les gars, sérieusement, les gars, comprenez bien cette chose-là. Tout le monde sur cette terre est un prospect. Quand, quand quelqu'un a déjà 18 ans et plus, c'est déjà un prospect. Forcément, quand vous allez lui présenter l'activité, il aura toujours deux choix. Soit tu vas être consommateur d'un produit, soit tu vas être un futur mass auteur les personnes aujourd'hui que vous rencontrez aujourd'hui dans le marketing des réseaux, toutes les personnes que vous rencontrez sur le stage du Vicon, toutes les personnes que vous rencontrez aujourd'hui qui sont devenues vos leaders aujourd'hui ont un seul point en commun ils ont été sur la liste de quelqu'un. C'est que, pour cela que nous devons respecter cette source-là en fait en réalité parce que nous tous nous sommes issus d'une liste de noms, d'une liste de prospects, de l'un de quelqu'un et c'est ce qui nous a valu aujourd'hui le droit de pouvoir développer ce business. Aujourd'hui, il y a vraiment une, très, une grande confusion. Beaucoup de personnes disent oh, Je ne veux pas écrire des noms, euh, je ne veux pas vraiment dire mes mains, c'est non, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela, parce que vraiment, moi, ça me fatigue. Pour moi, excusez-moi de vous le dire, mais pour moi, je pense que, excusez-moi, ça n'a pas de sens. Je vais rencontrer Dato Scribidier avec ce discours-là il va me gifler, puis il va me dire Va boire un café pour te réveiller. Mais gars, ça a l'air vraiment très fatigant pour nous de pouvoir nous promener, de pouvoir, nous, de pouvoir chercher et de pouvoir être en train de poursuivre les prospects, ça va être vraiment très compliqué. Et vous vous imaginez un peu en train de courir toujours derrière les prospects Non, ça va être compliqué. Et sachez aussi une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des gens qui vous diront non, mais chaque année, chaque, chaque année, il y a quelqu'un qui a du jus dans le Ça veut dire qu'il y a un renouvellement de, 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 de listes de prospects qui est en train de se faire à chaque moment dans nos vies. Nous ne pouvons pas courir derrière tous les prospects, mais nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir voir des prospects. Mais aujourd'hui, certaines personnes ont perdu aujourd'hui, ça va aujourd'hui. C'est ce qui veut dire que non, ils disent qu'ils ne connaissent plus les gens. Je pense, ma foi, que moi je vous ai déjà expliqué ça. Vous savez, c'est un peu comme je le disais dans la huit blogs du succès. Vous savez, nous sommes un peu comme un radar. Et vous êtes entre votre radar à chaque fois, se promène. Et quand il voit quelqu'un qui n'a jamais présenté l'activité, qui il a oublié de présenter l'activité, qui vient de se souvenir qu'il n'a pas présenté l'activité, automatiquement le radar va faire pour te montrer, pour te dire que non, voici un procheur, voici quelqu'un que tu peux présenter pour qu'il ait besoin de Mais quand tu es nouveau et que tu es en train de commencer le business, tu dois avoir vraiment une grande liste de noms, de, 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 a une grande liste. Voilà, ça doit commencer à partir de 150, peut-être jusqu'à 3000 même. Et quand vous prenez la liste de ces gens de personnes, il faut la diviser en trois parties. Et vous devez la diviser dans trois parties qui sont euh, la zone chaude, la zone tiède et la zone froide. Et si je vous demande de la diviser en trois c'est parce qu'en réalité, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, vous n'allez pas les affronter, mais vous n'allez pas les, 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 qu'on appelle ça, les aborder de la même manière. Chaque personne aura sa manière que tu vas l'aborder. Parce que par exemple, les hommes, les gens qui sont dans la zone chaude, vous n'avez pas besoin de leur donner trop d'explications parce qu'il y a une relation entre vous, il y a déjà de l'échange entre vous, il y a vraiment une conversation entre vous, il y a vraiment quelque chose entre vous. Donc, vous n'avez pas besoin de leur donner le baratin de, ou bien le, 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 le speech de, de, quand on donne nos prospects voilà. Donc, quand vous êtes entré de traiter la liste, quand vous et les personnes aussi qui sont dans vos zones chaudes, vous connaissent Ils connaissent un peu parce qu'il y a, y a un petit problème aussi que les gens se ils disent Non, quand tu connais la personne, automatiquement, Quand tu dis quelque chose à la personne, la personne doit te suivre. Non, les gars. Les gens savent déjà que vous-même vous avez déjà pratiqué déjà deux à trois business. Ils savent que déjà vous avez déjà fait cinq à cinq business. Ils savent déjà comment vous êtes. Vous avez abandonné. vous vous n'êtes pas sérieux, mais vous êtes sérieux. Donc, ils vont regarder tout ça. C'est très important pour eux, pour qu'ils puissent te rejoindre. Vous savez, Kuna et, et, et Sati m'ont rejoint très rapidement dans cette activité. Mais ils m'ont rejoint très, très rapidement dans cette activité parce qu'eux-mêmes, ils ne prenaient pas cette activité au sérieux. Et Kuna, c'est lorsqu'il a, euh, a, lorsqu a eu son premier chèque qu'il a commencé à prendre vraiment cette activité au sérieux et il a commencé à se donner à 100%. Et les gars doivent sentir cette passion, ils doivent savoir cette croyance refaite en réalité. Parce que moi, par exemple, quand je l'ai fait, j'ai référé plus de 24 personnes en, en 48 heures. Et comment j'ai pu le faire de la manière la plus simple, parce que les gens ont vu sur moi. Parce que j'ai dit, les gars, j'ai découvert un business. Vraiment, je veux le rendre grand. Mais je ne veux pas le rendre grand de ce. Je ne veux pas avancer dans ceux. Je ne veux pas réussir dans ce. Je sais que vraiment, c'est quelque chose qui va changer nos vies automatiquement. Mais je veux qu'on puisse être avec moi. Je veux que vous puissiez être avec moi. Je ne veux pas le faire seul. Je veux qu'on puisse gagner ensemble. Je veux que quand je gagne, toi aussi tu gagnes. Et c'est la chose qui a fait que ces personnes m'ont suivi. Ils ont vu cette croyance en moi. L'un des problèmes qu'il y a, c'est que quand on finit de référer tous les, 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 les gens de notre zone chaude, automatiquement nous les relations, nous les laissons, nous les voyons pas en, 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 en potentiel nettoyeur. Et c'est l'un des problèmes. Moi aujourd'hui, dans, plus, dans, dans, dans plusieurs vies ambassadeurs aujourd'hui dans le monde entier, j'ai plusieurs gars de ma zone chaude qui sont dedans. Parce qu'il faut jamais les laisser, il faut les traiter. Que ce soit ta maman, que ce soit ton papa, que ce soit tes frères, que ce soit tes soeurs, que ce soit ton grand frère. Il faut toujours leur donner certaine attention parce qu'ils peuvent devenir des massauteurs, des, des massauteurs de mer. Ne prenez pas les gens de la liste jaune pour juste avoir des bébés. Parce que quand vous allez les laisser, ils vont se dire que oh, ah, en vrai que le gars est m'a juste utilisé pour avoir juste des bébés. En fait, il ne voulait pas que je une grande réputation, que je sois un grand leader dans son système. La majorité des gens de chaude sont devenus soit des massauteurs ou soit du centre de devenir. De, de, de je ne sais pas si ça va venir, ça va pas venir, mais il y a quelqu'un qui est là qui est en train de m'attendre et qui veut faire le Et c'est ce que moi j'ai appris de datos riviers donc je traite tout ce que moi j'ai repéré de manière directe très différemment je les traite comme s'ils vont faire le massacre Maintenant les gens de la zone tiède ces gens de la zone il va falloir maintenant savoir répondre aux différentes objections, aux différents, aux différents euh, problèmes. Ça veut dire que quand ils vous présentent le business, quand vous les présentez le business, eux n'ont pas besoin que vous leur fassiez une présentation aussi grande. Mais ils ont leurs objections, ils ne sont pas vraiment d'accord avec le business. Maintenant, c'est comment tu vas leur répondre. C'est ça qui va faire en, fait, en réalité qu'ils vont te suivre. Il faut apprendre à comment manager les objections avec ces gens de personnes naturelles Tu as les faire démarrer. La zone froide, ce sont des gens, il faut aller très à fond avec eux. Voilà. Parce que eux-mêmes, là -même, ils sont déjà très froids. Donc, ce sont des gens qui vont pas facilement vous, vous rejoindre. Ils vont pouvoir vous dire non, il ne faut pas vous dire non. Oui, même quand ils voient que c'est bon, ils vont vous dire non. Donc, pour eux, là, il faut aller à fond. Mais il faut pouvoir le faire. Les gars, ce point -là est très important aussi. Chaque, chaque mois, tu dois, pouvoir faire, tu dois pouvoir ajouter plus de 15 noms. Chaque mois, tu dois pouvoir ajouter plus de 15 noms sur si ta liste. Parce que ta liste doit agrandir. Ne venez pas me donner l'excuse en me disant que non, les, je ne sais pas, je ne connais personne. Donnez des excuses. Non, 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 les gars. Est-ce est que vous vivez dans une brousse Est-ce que vous vivez au haut d'un rocher les gars, Moi, je rencontre plus de 20 personnes lorsque je suis en train de juste marcher, même lorsque je suis en train de partir au supermarché, mais lorsque je suis en train de partir dans un mall. Et disons aussi merci aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui tu peux te, tu peux te retrouver tu peux tu peux retrouver ton meilleur ami ou ton ami de classe ou ton ton, ton ami de CP1 ton ami de de première classe que tu avais perdu de vue, il y a longtemps. Donc, tout ça, ça devait faire quoi? Ça devait de nouveaux contacts. Tu ne viens pas me dire que non, je n'ai pas de prospects, je n'ai pas de ceci. Non, non, non. Parce que, au fait, tu vis dans la peur. Tu vis dans, 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 comment on appelle ça? Dans la timidité. Et ça, ce n'est pas bon. Sois de là. Vive vite. Allez, va affronter quelqu'un. Dis-lui bonjour. Parle avec lui. Et puis, prends son contact. Commence à échanger avec lui. Et tu as, tu as un nouveau contact. Les gars, moi je peux échanger aujourd'hui, que vous le voulez, que ne voulez pas, avec une personne que je ne connaissais même pas. Parce que moi je sais que quand je change avec une personne étrangère, moi je suis en train de l'aider. Et je vais lui donner une, une opportunité qui va changer sa vie. c'est pour cela que chaque fois maintenant, les gars, sous les leaders, vous devez commencer à replanifier vos listes. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un qui sait que tu es dans ta zone chaude, tu le mets. Zone tiède, tu le mets. Zone froide, tu le mets. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais l'une, il y a actuellement deux vérités que les gens sont en train de se dire. Ils se disent la première vérité, comme j'ai mis mes gens de ma zone chaude dedans, maintenant je vais me concentrer maintenant à construire mon network, à aider mes à avancer et La deuxième croyance, eux, eux, ils ont décidé de dire qu'ils vont jamais arrêter d'être networker. Donc, ils vont toujours continuer de présenter parce qu'ils ne savent pas qui est le prochain Arun, qui est le prochain Sati, qui est le prochain euh, truc, le prochain massauteur. Ils ne savent pas, donc ils vont toujours continuer de faire les présentations. Moi, les gars, ce que j'ai choisi, c'est choisi de, ne... de continuer d'être toujours networker et de toujours continuer jusqu'aujourd'hui. Je continue de faire mes présentations jusqu'aujourd'hui. date aussi, je continue de faire des présentations. Si tu veux cette année pouvoir atteindre ton, ton tes objectifs que tu t'es fixé, si tu veux cette année construire une grande équipe, faire le au avoir beaucoup d'argent, la chose que tu dois commencer à faire, numéro un, c'est de commencer à être un, un nouveau networker. Et pour être un nouveau networker, ne t'arrête ne pas, continue de faire des présentations, des présentations, des présentations, des présentations. Et quand tu es un nouveau networker, toi, vraiment, tu n'as pas forcément obligé de faire ce qu'on est en train de te dire aujourd'hui. Mais les vétérans, les gens qui sont dans le business, ça fait déjà un an, ça fait déjà six mois, hey, les gars, vous devez « raise the bar ». Commence à te challenger, commence à te pousser, commence maintenant à commencer à construire un nouveau marché. Donc tu dois avoir une nouvelle liste, parce que tu ne peux pas me dire que non, je suis en train de, je suis dedans, et puis tu ne gagnes pas de commission, et puis ça, ça tu, tu te plais dedans, non. Tu te fou de moi quand tu es en train de dire ça. Tu veux dire quoi? Tu n'as plus faim? ça veut dire que tu, tu, tu n'es plus, tu n'es plus affamé? Tu veux dire aujourd'hui que tu ne crois pas que tu peux parler à un étranger puis il va, te, il va, te, il va te, il va te, il va démarrer? Pour ceux, maintenant, qui sont en train de faire du succès dans ce, dans ce business, les gars, vous, pour vous, référer les gens, c'est comme l'eau, en fait, en réalité. C'est-à-dire que tu réfères les gens de la manière la plus simple, en fait, en réalité. Tu es là, comme ça, tu réfères. Moi, aujourd'hui, je, je, je réfère les gens comme rien. Les gars, aujourd'hui, là-même, j'ai rencontré mon, mon, un ami de classe, aujourd'hui, là. OK Donc, je ne suis pas obligé, forcément, de lui parler rapidement de cette activité. Mais, les gars, je vais vous expliquer une chose. Parce que, les gars, quand vous trouvez la réponse... Quand vous trouvez la réponse à quelque chose, est-ce que vous allez le partager au monde entier Est-ce que vous allez le partager à tout le monde Est-ce que vous allez le partager même à, à l'étranger Mais est-ce que vous allez la garder non, les gars, vous allez commencer automatiquement à partager ce, cela autour de vous. Donc, je n'ai pas mis du temps à lui présenter cela parce que je ne dois pas mettre du temps. Même aujourd'hui, si je me, je retrouve, je m'avais dans les hôpitaux, je vais pouvoir dire aux malades à qui j'ai trouvé la, la, la clé. J'ai la clé entre mes mains. La clé aujourd'hui pour sortir de la pauvreté. La clé pour tous les zombies aujourd'hui qui continuent de marcher sans un rêve. Maintenant, pourquoi vous le gardez? Sortez, mettez-vous sur une montagne et commencez à crier, commencez à montrer ça aux gens, les gars. Les gars, aujourd'hui, vous, vous devez commencer cela. Vous devez partout vous être commencé à dire à tous vos gars présentation, 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 présentation. Et toi, si toi aussi tu es un walk-in plein, si tu as des directs auprès de toi, après avoir fini d'écouter ce message, tu appelles tous tes différents éléments, vous vous asseyez et tu les amènes à faire des présentations et des présentations en mode présentation. Maintenant, si toi tu ne peux pas faire trois présentations à quatre présentations la semaine, à partir de cette semaine. Mon frère, il faut chercher le plus gros immeuble, je sais pas, dans ton quartier et tu te mets là-bas et puis tu mets le morceau « I believe I can fly ». Ça, c'est une réflexion des gens, des perdants, des gens qui sont devenus des peureux, des gens qui sont devenus des paresseux, des stupides. Tu es incapable de pouvoir faire quatre présentations, même le mois. Mais en ce moment, comment tu pourras faire quatre présentations la semaine Tu ne peux pas entraîner les gens. Si toi-même, tu ne fais pas les mêmes choses tu peux entraîner les gens à être netrogueurs. Si toi même tu n'es pas netrogueur. Réveille-toi là, va boire du café et puis commence à revoir ta liste. Tu dois refaire ta liste, tu dois prendre ton agenda, tu refais ta liste. Tu repars au basique et au basique. Le basique, c'est présentation, présentation, présentation et présentation. L'engagement est lié à tes présentations. Peu importe comment tu penses que tu es, peu importe que tu penses que comment ton direct est, peu importe que tu penses comment ton équipe est. Si à l'intérieur de tout, tout cela, s'il n'y a pas le mantra, s'il n'y a pas cette base-là qui est la présentation, la présentation, la présentation. Parce que la présentation, c'est l'âme pour pouvoir réussir. Si vous n'avez pas ça, présentation, 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 je peux vous le garantir, votre network va vraiment décoller. Sur ce, I love you, les gars.